à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance de la semaine, donc du lundi 7 décembre au vendredi 11 décembre. Alors, on est dans une période de lune où on est au troisième quartier, donc on vous dit que des ajustements sont requis. C'est pour vous permettre, eh bien, de poser de nouvelles intentions à la nouvelle lune. Donc là, vous allez mettre en relief tout ce qui manque encore ou tout ce qui a besoin d'être changé, tout ce qui nécessite un alignement, on va dire, afin que quand vous poserez vos intentions à la nouvelle lune, donc lundi prochain, eh bien, ce soit de manière plus puissante. Hein, parce que quand il y a des choses qui bloquent, forcément, on peut poser toutes les bonnes intentions qu'on veut. Forcément, si on n'a pas nettoyé ces blocages, ça va continuer à bloquer. Donc là, l'idée, c'est de mettre en lumière les ajustements qu'on a besoin de faire. Donc, on vous dit hein, ici de transpercer le voile. Alors, on vous dit de remettre en question, pas de tout remettre en question, mais que tout ce qui doit être, tout ce qui est désaligné doit partir. Vous devez le faire partir. Voilà, c'est le message de questionner tout, de remettre en question, mais c'est surtout un doute raisonnable dans le sens, est-ce que ça, j'en ai vraiment besoin? J'ai posé l'intention, mais est-ce que ça me correspond réellement? Voilà, ça va être ce genre de questions que vous allez initier. Et puis, on a les annales akashiques ici avec l'akasha. Votre guidance est divinement guidée. C'est-à-dire que dans la bibliothèque de vos âmes antérieures, de vos réincarnations ou bien de ce que vous avez fait dans le passé, hein, il y a des gens qui ne croient pas en la réincarnation, respectons cela. Ici, on va dire que, voilà, dans ce que vous ressentez, il y a forcément une bonne prise de décision dans le sens où ça vient du cœur. Ça vient de votre âme, en fait. Donc là, vous allez revenir sur quelque chose aussi qui va vous permettre de créer une nouvelle réalité. On vous parle de créer un paradis sur Terre, que c'est en train d'arriver, parce que justement, vous êtes en train de réaligner tout ce qui doit être, et puis vous êtes en train d'abandonner tout ce qui doit être aussi. Donc voilà, on va rentrer dedans. Vous allez voir un petit peu le scénario. Il y a un truc qui se dessine, en tout cas. Surtout qu'on a le nœud sud, le nœud nord. Donc voilà, il y a une direction à suivre. Il y a quelque chose à comprendre en arrière pour pouvoir suivre une direction qui nous correspond plus. Donc là, on vous parle de shadow. Vous aurez justement le battage des cartes à la toute fin et puis avec des suggestions de vidéos pour vous. Shadow avec Pluton, donc on est en plein dedans, travailleur de l'ombre, donc transformation, pouvoir intérieur, inconscient, mort, sexualité. C'est la planète qui régit aussi les scorpions. Et puis Mercure, mental, pensée, intellect, communication, échange, le messager. Là, on est en train de vous dire, voilà, tout ce qui a été caché va sortir pour que vous puissiez travailler dessus, donc que vous puissiez le transformer. Ça peut être une transformation dans la manière dont on communique. Ça peut être aussi faire mourir une manière de penser. Moi, c'est plutôt ça que j'ai dans l'idée. C'est-à-dire, voilà, de quitter un schéma de pensée qui aujourd'hui est obsolète, qui aujourd'hui ne vous sert plus. Donc, vous êtes en train de faire ces ajustements pour justement vous inspirer. Alors ça, j'ai fait exprès. Je vais la lire après, vous allez comprendre. Pour vous donner, on va dire, une direction dans les intentions que vous allez poser pour ce troisième quartier de lune, pour ce dernier quartier de lune, puisque vous pouvez poser des intentions aussi. Hein. Voilà, donc là, vous êtes en train de remettre en question aussi une manière de penser, une manière de réfléchir, une manière de communiquer. Voilà, parce qu'il y a des choses qui sont en train de sortir justement de l'ombre. Le shadow, c'est le travail interne, hein, c'est-à-dire, voilà, tout ce qu'on doit faire sortir, faire surgir. Alors, c'est pas forcément agréable tout le temps. Voilà, on ne dit pas que c'est forcément facile, néanmoins, ça va vous être utile pour la suite. Le jeu play avec sextile, on vous parle d'opportunités, de croissance émergente, de potentiel à développer. On vous dit qu'il y a des choses qui sont en train de justement émerger, se développer, et que là-dedans, vous devez y trouver votre compte en jouant, c'est-à-dire en prenant en compte le fait que vous pouvez le voir ou le vivre de deux manières différentes, c'est-à-dire soit je le subis et je vais pas bien et je me concentre du coup énergétiquement sur ce qui ne va pas, ou bien je vais me dire, bah, je peux aussi m'amuser, je peux expérimenter, je peux
développer mon potentiel, que justement, ce qui émerge, c'est pour faire développer quelque chose en moi. Donc autant m'amuser ou le prendre pas à la rigolade, hein, on n'a pas dit que c'est une partie de plaisir, mais que vous avez deux manières de le vivre, donc deux attitudes différentes, et que là, la manière qu'on vous préconise, forcément, c'est celle où vous allez vous sentir le mieux. C'est-à-dire, tiens, ça, tiens, j'ai jamais fait. Tiens, je vais m'amuser. Tiens, il y a une opportunité, je vais la saisir, on verra bien ce que ça donne. Voilà, c'est un peu la mentalité que là vous allez avoir. Donc en vous reconnectant au cœur, là on a un peu l'enfant intérieur entre le jeu et connexion du cœur, connexion au cœur. On va vous dire aussi que vous avez des acquis, vous avez un bagage. Le nœud sud, c'est le passé, c'est l'expérience que vous en tirez qui va vous donner un héritage, qui va vous donner un bagage. Parle aussi de vie antérieure avec l'akasha, on vous parle d'opportunités, c'est-à-dire tout ce qui ressort de l'ombre va être aujourd'hui une opportunité pour vous de comprendre comment vous reconnecter au cœur et puis d'avoir des outils pour ensuite avoir le nœud nord, c'est-à-dire la direction, la voie à prendre, la direction à suivre. Donc là, vous allez vous reconnecter à votre cœur, à votre âme, en vous disant, voilà, je suis dans l'inspiration de moi-même, je m'inspire de ce que je ressens. Au plus profond de moi, il n'y a pas de mental ici. Hein. Inspirez-vous-même, soyez votre propre source d'inspiration. Et on vous dit aussi de ne pas écouter les autres. Votre guidance à vous, elle est à vous, elle n'est pas aux autres. Les autres vont faire appel à leur vie, leur expérience, leur avis. Voilà, donc c'est pas la vôtre, c'est la leur. Ok? Travail de l'âme, justement. On est en plein dedans. Alors, on a la carte du bélier, initier, ouvrir les portes, s'affirmer, agir, concrétiser. Voilà, vous allez justement prendre des décisions en votre âme et conscience. On vous parle de remise en cause, d'interrogation, recherche de savoir, quête de vérité. C'est surtout envers vous-même. Qui je suis? Le bélier, c'est l'affirmation de soi, c'est aussi un renouveau, c'est l'action, c'est la concrétisation. Mais là, voilà, qui je suis au fond de moi? Et j'ai été soulever tout le terreau, tout ce qui était enfermé, tout ce qui était en dessous, caché, archivé. Et j'ai fait ressortir ces archives, hein, l'akasha, c'est les archives un petit peu. Donc j'ai fait ressortir ces archives et maintenant je peux me positionner parce que j'ai une direction claire sur qui je suis, sur ce que je veux. Je vais m'affirmer. Et je vais ouvrir des portes parce qu'on vous parle d'opportunités, on vous parle de croissance, de potentiel à développer, quête de vérité aussi. Hein. Voilà, qui je suis réellement. Et là, dans ce nouveau, on va dire, nouveau monde qui se dessine, nouvelles énergies, vous devez retrouver votre place aussi. Et là, vous avez une réelle opportunité de trouver une place, votre vraie place en fait, qui vous êtes réellement. Ça, c'est important. Compassion avec le nœud nord, la voie à suivre, la direction. La voie d'évolution, pardon, la direction à suivre, eh bien, c'est celle de la compassion. La compassion, ça va être envers les autres, mais surtout envers soi-même. C'est-à-dire, voilà, j'ai fait des erreurs. Ce nœud sud, il a montré aussi, voilà, que j'ai pu faire des erreurs, mais je dois me pardonner. Et pour pouvoir pardonner aux autres, des fois, il faut pardonner d'abord à soi-même, de ne pas être infaillible. Justement, on est perfectible, on est faillible. Sinon, on serait là-haut en train de guider les autres, hein, en bas, en regardant ce qui se passe sur Terre. Donc là, on est bien, les pieds sur Terre, on est bien humain, on fait des erreurs humaines, l'erreur est humaine. Voilà. Et là, on vous dit d'être dans la compassion vers vous-même, que vous avez encore du chemin à faire, mais que dans la voie d'évolution, justement en étant dans la compassion, vous allez être, eh bien, ça va alléger, on va dire, la direction, parce que le chemin, il va pas être de tout repos. Quand on travaille sur son ombre, quand on travaille sur son âme, forcément, il y a un cheminement. Il y a des fois des messages qu'on ne comprend pas, une errance, on va se perdre un petit peu, mais on suit toujours la direction du cœur et là on sait qu'on ne peut pas se tromper. Donc quelque part, même une erreur est une voie d'évolution qui va vous permettre eh bien, de comprendre beaucoup plus de choses. Donc rien n'est dû au hasard. Et là, on vous dit de faire preuve de compassion envers vous-même. On a la force aussi, on parle de résilience et on parle d'amour. On a Vénus, le côté affectif, relationnel, l'amour, plaisir, beauté, créativité. Donc ici, on vous dit que vous avez la force de rendre votre vie meilleure en étant dans la créativité, en recherchant la beauté, en recherchant l'amour. On a la compassion, le travail de l'âme, la connexion au cœur, l'amour. Voilà, aimez-vous, retombez amoureux de vous. Ça va être votre plus grande force ici pour faire les changements nécessaires. Hein. D'ailleurs, on a la mort.
On a la belle balance, pardon, équilibrer les relations, évoluer à travers l'autre, apporter de la beauté. Donc justement, vous voulez quelque chose de meilleur, de plus significatif, qui vous correspond davantage. Donc forcément, il y a des choses à faire mourir, mais pour les faire mourir, il faut d'abord les comprendre. Il faut aussi pouvoir les déterrer pour vous dire, bah ça, finalement, hop, je range dans les archives. Donc voilà, ça c'est dit, on va aller voir la suite. Alors cette carte, inspirez-vous vous-même, parce que je risque d'oublier, hein, je suis Gémeaux, des fois je passe à la suite en me disant, tiens, j'ai oublié un truc, mais ce sera tout à l'heure, à 3 h du matin. Voilà. Donc soyez votre propre source d'inspiration. On vous dit, il est toujours plus facile de s'inspirer des autres dans notre quête existentielle, mais vous arrive-t-il souvent seulement de chercher les réponses en vous-même ou d'admirer ce dont vous abondez? Essayez de ne pas être trop prompt à l'autocritique. Donc soyez dans la compassion. Votre ego adore vous rabaisser. Cessez une seconde de copier les idées, envies et croyances de sources extérieures et puisez plutôt dans votre sagesse intérieure. L'espace d'un instant, écoutez cette voix en vous, celle qui perçoit la clarté de votre âme. Elle vous guidera sur la façon dont vous pourriez la faire rayonner en ce monde. En termes d'affirmation, vous allez vous dire, je vois les dons et les qualités uniques dont j'abonde et m'en inspire pour incarner la meilleure version possible de moi-même. Voilà, donc ça résume finalement tout le tirage. Cette carte est tombée en premier. Ensuite, les cartes sont tombées, elles ont parlé de la même chose. Donc, vous voyez, il y a bien quelque chose qui est à travailler à ce niveau-là. Et on vous demande de faire preuve de compassion, de patience aussi. Alors, je vais prendre un tarot. Il a tendance à sauter celui-ci, donc on va voir. C'est pas trop pénible. Alors, pour la semaine du lundi, pardon, 7 décembre au vendredi 11 décembre, quels sont les messages, s'il vous plaît? On va y aller doucement parce que c'est un tarot sauteur. Voilà, on va garder celle-ci parce que là, il y en a trop. On parle de 3 de coupe, donc de joie, de vous rapprocher d'une source de plaisir, d'identifier, de détecter ce qui vous fait plaisir, ce que vous aimez faire, et d'y aller, c'est-à-dire, voilà, de profiter des instants en famille, avec vos amis. Ça peut parler de raclette un samedi soir, hein, c'est tout à fait possible, mais que dans ce que vous allez, on va dire, initier comme sensation, comme sensibilité, ça va être, voilà, je suis dans l'instant présent. Je m'amuse, j'ai le besoin d'éprouver plus de joie, donc je vais aller vers ces sources de joie, vers ces personnes qui me donnent cette source de joie aussi, pour compléter, pour nourrir, pour alimenter de l'eau à ce moulin de joie, voilà, d'amour, de compassion, de rire, voilà, de profiter un petit peu des plaisirs de la vie. Là, on vous parle d'évolution avec le pape. Donc justement, ça va vous permettre d'évoluer en vous rapprochant de ce qui vous fait plaisir. Eh bien, ça va vous permettre de passer une étape supérieure dans votre vie. Alors, ce qui va vous aider, ici, on a le cavalier de bâton avec la roue de fortune. Tout le reste qui s'est retourné, enfin, qui ne s'est pas retourné, il y en a trop, hein, donc on est bien d'accord. Je vais les remettre à l'endroit parce qu'à l'envers, à l'endroit, ça ne veut pas dire la même chose. Donc, la roue de fortune, on vous dit que là, vous allez être poussé au changement. On vous dit d'aller vers des sentiers inconnus, des territoires inconnus, des manières de faire aussi, parce que le cavalier de bâton, ça va être dans l'action, que vous allez finalement initier une nouvelle manière de faire les choses. Et c'est surtout aussi la force et le courage d'aller jusqu'au bout du truc. Parce que le cavalier, il parle d'un projet, un projet qui se dessine, un projet qui commence à se concrétiser, où là, vous passez à l'action. On vous parle de choses qui sont en train de bouger aussi, un déplacement, ça peut être une déclaration, un cavalier, ça peut être une déclaration, voilà, pas qu'un message, mais vraiment quelqu'un qui arrive dans votre vie pour vous délivrer un message. Moi, j'ai l'impression que là, on vous parle de vibration. C'est-à-dire pour l'instant, même si les choses vous paraissent obscures ou bloquées, on vous dit de vous rapprocher de sources de joie, d'identifier aujourd'hui ce qui vous met en joie, parce que là, il y a quelque chose qui va se déplacer, qui va se déplacer vite. Donc, ayez confiance, la roue de fortune, elle parle de déblocage, mais pour derrière en dos de deck, on a le 2 de bâton. Le 2 de bâton, il va parler d'hésitation sur justement l'action qu'on doit apporter. Donc pour l'instant, on vous dit, les choses sont en train de se débloquer, allez vers ce qui vous fait plaisir, parce que le cavalier de bâton, c'est aussi
l'intensité. Voilà, quand vous ressentez des choses, faites-le avec intensité ou faites quelque chose qui vous vous sentez cette énergie en vous. Un truc qui vous botte pas, qui vous branche pas, voilà, qui vous appelle pas au fond de vos intestins. Finalement, c'est peut-être pas pour rien. Donc ici, on vous dit, voilà, quand vous avez les guts, hein, les tripes, et que vous ressentez ce besoin, allez-y, parce que c'est justement cette force-là qui va vous permettre aussi de débloquer une situation. Ok? Parce que là, vous étiez un petit peu en train d'hésiter sur la voie d'évolution. Là, on parle de 6 d'épée. Ça, c'est bien. 6 d'épée, c'est-à-dire on quitte une manière de raisonner. On dépose un fardeau. On dépose les conflits. En fait, on lâche prise. C'est une carte de lâcher prise sur le mental, c'est-à-dire cette manière de raisonner, le 6 d'épée, il arrive après le 5 d'épée. Le 5 d'épée, c'est les conflits, c'est la frustration, c'est la colère, c'est l'ego, c'est les disputes, hein, c'est-à-dire, non, mais de toute façon, ferme-la. Voilà, c'est ce genre de discussion qu'on peut avoir avec les autres. Donc ici, vous détectez qu'en fait, ça ne vous sert plus. Et là, cette semaine, vous avez une forme de raisonnement qui est bonne. C'est-à-dire, voilà, je quitte cette manière de raisonner, je vais vers quelque chose qui est plus significatif pour moi. Donc, c'est un peu prends ton manteau, on s'en va. Hein. C'est prends tes épées et réfléchis différemment. Quitte cette situation qui, de toute façon, ne donne rien. Parce que mentalement, tu as bien compris que dans la réflexion que tu devais apporter, c'est voilà, bouge toi-même. Va chercher ta propre source de plaisir. Parce que, voilà, il y a des choses qui n'ont rien donné. Et que c'est pas en restant dans la situation, ça va se débloquer par magie. Ici, on vous dit, bougez, vous bougez. Voilà, faites les choses avec le cœur, faites les choses avec les tripes, reconnectez-vous à votre âme parce que c'est justement là que vous allez initier de nouvelles choses. Sinon, ça ne bougera pas. Et là, on a le 6 de coupe, le 6 de coupe qui parle d'enfant intérieur, qui parle de nos... Regardez, on a le 3 de bâton derrière. Donc, vous voyez, en recollant à votre enfant intérieur, à ce qui vous fait vraiment plaisir, à ce qui vous motive réellement, là, vous allez pouvoir recoller à qui vous êtes, à votre âme d'enfant, en fait. Et l'âme d'enfant, c'est la pureté. Et à votre vous pur, qui va pas se laisser, on va dire... manipuler ou attendrir ou dans la fausseté, voilà, j'ai fait ça, mais en fait, ça ne me correspond pas. Là, vous allez vraiment vers quelque chose de significatif pour vous. Donc, ça peut parler de nostalgie de qui vous étiez avant, mais là, justement, ça va vous permettre eh bien, de quitter une manière de penser qui, finalement, eh bien, va s'avérer très, comment dire, c'est pas un apprentissage, le 6, mais là, on arrive à des négociations. Là, on arrive à une communication. Là, on arrive à une association, à du partage. Parce que justement, on quitte une manière de penser qui peut être conflictuelle. Ça peut être un rapport à soi aussi qui est conflictuel. Et en étant dans la compassion, parce que le 6, ça peut parler de collaboration, de communication. Voilà, on va être plus aligné envers soi-même. Donc, ce qu'on va, comment dire, générer comme... comme parole, hein, parce que là, si on est dans les messages, dans les paroles, dans la communication, eh bien, l'autre va pouvoir plus facilement aussi réfléchir différemment. Alors, on a le monde. Donc, vous voyez, vous finissez un cycle. Là, à long terme, on vous parle de réussite. On vous dit que, regardez, il y a un message qui arrive, un messager. Peut-être quelqu'un qui va se déclarer, qui a envie, hein, mais qui doit... c'est pas lui qui doit, c'est vous qui devez bouger. C'est vous qui devez compléter la dernière pièce du puzzle. Là, on vous parle d'une fin de cycle. On vous parle aussi d'une récompense de l'univers. C'est-à-dire que là, vous avez, ça y est, vous êtes complet en fait. Ça y est, le boulot, l'examen est fini. Là, on vous parle de réussite. On vous parle aussi de fin de cycle. C'est-à-dire qu'on commence avec le battleur qui n'a qu'un bâton, on finit avec le monde où il y en a deux. Et vous vous êtes dépouillé de tout ce qui était inutile. Vous avez la sagesse, vous avez la force, vous avez la vision et vous avez la protection. Donc finalement, c'est très bien. Je vous fais un petit cours de tarot en même temps sur les cartes. Là, on a quelqu'un qui arrive. Hein. Peut-être quelqu'un qui est encore prudent vous dit de travailler encore. Hein. Là, c'est les 10 derniers mètres que là, justement, on vous dit de réfléchir différemment parce qu'il y a bien cette fin de cycle. Mais pour que cette fin de cycle puisse arriver, il va falloir en passer par là. À court terme, voilà, c'est le passage obligatoire. Et en synthèse, on a quoi? L'empereur, donc on parle d'une concrétisation, d'une solidification, de quelque chose qui va se... Oui, on parle de récolte, on parle aussi... de quelqu'un qui va savoir se positionner. Ça, c'est très important. Vous arrivez à vous positionner, vous arrivez à avoir plus d'autorité, de force. On peut parler aussi de quelqu'un qui, finalement,
Parce que derrière, on a ce 5 d'épée. Hein. Ce 5 d'épée, j'en parlais, c'est les conflits, c'est la frustration. Donc il y a eu un besoin d'évoluer par rapport à ça, mais là, on vous parle de concrétisation, de stabilité. Donc finalement, c'est un peu la carte du bélier aussi, hein, même si ce n'est pas la même maison. Moi, je pense que l'empereur va parler d'affirmation de soi. Voilà, je sais ce que je veux, je l'exprime différemment parce que j'ai appris de mes erreurs, et finalement, j'ai appris qu'en bougeant, moi, je ne vais pas attendre tout cuit que ça me tombe dans le bec, je vais bouger. Et moi, et bien là, on sort de cette période de conflit. Ok, donc parfait. C'est en totale corrélation avec ce qu'on disait avant. Donc on va aller voir maintenant le sentimental. Qu'est-ce qui se passe? Très bien, c'est plutôt des bonnes nouvelles, hein. Là, franchement, c'est un bon tirage. On va aller voir maintenant ce que vous disent les oracles. Prendre quelques cartes vite fait, bouclier. Jalousie, on se protège aussi d'une manière de réfléchir qui ne nous correspond plus. Voilà, il y a un règlement qui est en train de se faire. On comprend d'où venait cette jalousie et on s'en protège énergétiquement. Hein. Regardez, vous avez la joie. La joie et le contrat qui se préparent. Hein. Donc quelque chose qui va pouvoir se stabiliser et aller dans du long terme. Donc si ce n'est pas du sentimental qui vous intéresse, vous transposez. Pardon, j'ai un petit hoquet. Okay. Vous transposez à la vie professionnelle, d'accord? C'est le rapport à soi. Là, qu'est-ce qu'on a? On a l'enfant. Qui est tombé avec les accusations. Donc peut-être que quand vous avez des accusations, c'est votre enfant intérieur qui s'exprime. Il y a peut-être une blessure de l'enfance qui s'exprime. Hein. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais on vous dit de régler ça. On vous dit que ça prend du temps. Ouais, il y a des messages qui arrivent, mais on vous dit de travailler sur quelque chose qui s'est séparé. On vous dit de vous séparer aussi pour être plus tranquille de ces accusations. Voilà. Dans les rapports, il y a pu avoir des conflits, mais là, ça ne vous sert plus. Vous comprenez quelque chose et du coup, vous agissez en fonction. Oh, pardon pour le claquage. On vous parle de nouveau départ avec l'alpha. Donc là, c'est un peu, voilà, l'attitude qu'on décide d'avoir par rapport à ça, finalement. Est-ce que je ne me protège pas aussi des bonnes choses? Est-ce que je me protège des mauvaises choses? Regardez, on a un retour derrière. On va voir qu'est-ce qui revient. Ça peut être un retour de la joie, hein, tout simplement, dans votre vie sentimentale. Pas forcément le retour d'un ex. Là, on parle de réussite. Donc, vous allez réussir ce travail énergétique et on vous parle de joie. C'est ça que vous allez ressentir. Hein. Alors, enfant accusation. Ça peut être justement un besoin de se justifier qui aujourd'hui est obsolète parce que vous êtes en train de travailler dessus, mais dans le rapport aux autres, vous aviez ce besoin de vous justifier qui génère des conflits et qu'on vous demande de peaufiner, de travailler parce que vous êtes presque au bout, mais qu'il y a encore ça à régler. Hein. C'est un petit ajustement là, j'ai l'impression. Et cette semaine, juste, bah voilà, on parlait d'ajustements qui sont requis. Je me suis dit, bah tiens, ça me dit quelque chose. Voilà, ça va être pile poil la bonne période pour pouvoir le faire. Racine, voilà, donc aller dans la racine, d'aller étudier justement dans votre enfance ce qui a été, en fait vous avez poussé autour hein, une fleur, une plante, un arbre a forcément des racines et là vous avez grandi, mais dans la racine il y a peut-être quelque chose à couper, quelque chose qui doit se nettoyer. Donc les accusations, votre rapport aux accusations. Étudiez pourquoi, parce que derrière on a quoi? Voyage, voilà, vous allez bouger, vous allez vous éloigner. On a de la communication qui arrive aussi, hein. Erreur, désert, quelque chose qui n'a rien donné et qui vous, finalement vous permet de travailler là-dessus et d'entamer un nouveau cycle au niveau de votre vie, au niveau bah, des énergies aussi, hein, tout simplement. On n'a pas besoin de tout révolutionner pour sentir les choses différemment. Il y a juste, voilà, blessure et un matin vous vous réveillerez et vous verrez que vous aurez une nouvelle mentalité, une nouvelle manière de penser. Alors, on a là quelqu'un qui, pour l'instant, ne va pas au fond des choses. Hein, ce qu'on vous dit par rapport à vous, qui peut-être se ment, qui peut-être étudie la situation, mais là, j'ai plus l'impression que ça parle de vous, qui n'allez pas au fond des choses. Homme, femme, on s'en fout. Hein, c'est vraiment la personne qui regarde la vidéo. La joie, la réussite, on vous parle de relations, liens karmiques et projet naissance. Quelque chose à comprendre, ouais, dans les annales, ici. Alors, peut-être faire une lecture des vies antérieures, justement. Alors, si c'est dans vos, si ça vous appelle et que vous sentez qu'il y a quelque chose à comprendre qui est bloqué, parce que des fois, on reproduit un schéma. Là, on parle de karma, relation liée à karmique. Et vous allez réussir justement à renaître hein, par rapport à ça, à effectuer une renaissance. Il faut boucler un cycle pour pouvoir renaître. Donc là,
Il y a quelque chose à comprendre. Et puis, on vous parle d'invitation. Une invitation est à venir. Quelqu'un qui va peut-être revenir sur des accusations qui ont été proférées. Mais on vous parle de temps, hein, donc pas de précipitation. Voilà, nouveau départ, renaissance, vitalité. On va demander s'il y a un retour. Hein, qu'est-ce qui reviendrait? Pourquoi une invitation, s'il vous plaît? Alors déjà, qui ne va pas au fond des choses? Harmonie. Message. Il y a un nouveau départ, mais pour l'instant, vous n'allez pas encore au fond des choses. On vous dit d'aller vraiment à la racine pour aller trouver l'harmonie. On vous dit d'avoir confiance ici et de vous faire plaisir. Parce que sinon, vous allez douter, vous allez vous désharmoniser ou bloquer un petit peu le processus parce que vous allez douter et c'est ça, c'est pas bon. Et là, on vous parle d'abondance. Donc, vous allez réussir à changer le cours des choses. Sortie, une invitation est à venir. Je pense que justement, vous allez initier des, comment dire, des déblocages, quelque chose, voilà, où on va discuter. Ça y est, on est prêt à se revoir, on est prêt. Je pense qu'il va y avoir un visuel déjà, ne serait-ce que pour discuter si vous êtes en froid, si vous êtes en séparation. Et que pour l'instant, on vous dit d'avoir confiance, de retrouver l'harmonie déjà vous. On vous parle de rapidité. Réussite, examen, cadeau, récompense. Donc, vous voyez, vous allez être récompensé hein, ici de votre travail énergétique. On vous dit d'avoir confiance parce que là, il y a quelque chose, la sensation d'avoir perdu des conflits avec les parents peut-être dans l'enfance qu'il va falloir, enfin, il va falloir revenir dessus et découvrir pourquoi maintenant ça joue dans votre vie sentimentale. Ouais, il y a quelque chose de cet ordre-là. On va prendre le Béline. Vous voyez, vous allez vite être récompensé par l'univers. Hein. L'univers va se dire, c'est bon, elle a passé son BTS confiance en elle. On va la rétribuer maintenant, on va la récompenser. Donc, vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là. Vous voyez, campagne, on vous parle de repos. Il y a peut-être quelque chose qui a été perdu là. Ça fait deux fois qu'on a le vol et la perte. On vous parle de vous refaire une santé par rapport à ça. La sensation d'avoir perdu quelque chose, finalement, vous allez vous rendre compte que vous n'y pouvez rien. Et que c'est peut-être une relation hein, qui a été... voilà, quelqu'un qui est parti, qui vous a accusé à tort, etc. Ça, il va falloir pardonner aussi. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas. Des fois, il faut accepter d'être le méchant dans l'histoire de l'autre parce que l'autre se voile la face et qu'il faut juste se dire « Ok, moi, ça soulève... » Chez moi, ceci, une blessure d'injustice, parce qu'on a quand même, on avait tout à l'heure la justice hein, derrière les conflits, voilà, ça c'est les conflits, d'accord? Donc, c'est le 5 d'épée. Le 5 d'épée, c'est, ouais, mais c'est pas juste, ça peut être une blessure d'injustice qui vous fait avoir des conflits avec les autres. Donc ça, il va falloir vous permettre aussi de pardonner aux autres. C'est-à-dire, voilà, bon, moi je suis pas... je sais, au fond de moi, que je suis pas le méchant dans l'histoire. Mais pour l'autre, si c'est plus facile qu'il se voile la face comme ça, bon, bah voilà. Mais dans les paroles, moi, je vois des fois dans vos commentaires, vous dites, ouais, bah l'autre, machin, bah qui reste le nez dans son caca, etc., etc. Ça, c'est de la rancœur, en fait. Et ça, il va falloir nettoyer. Et que l'univers va vous récompenser. On vous parle de famille. Ça peut être, voilà, mes parents, non, mais ils n'ont pas fait le nécessaire pour moi, etc., etc. Et du coup, attention à votre manière de communiquer. Vous pouvez parler des choses correctement. On vous parle de nouvelles aussi qui arrivent. Hein. Ou une nouvelle manière de faire aussi. Hein. On va aller voir ce que ça nous dit au niveau... Hop. Alors, j'attends un nouvel oracle, mais l'univers a décidé de me bloquer un peu les choses pour moi. Ça m'apprend le lâcher prise et la patience, c'est comme ça. Et j'avais hâte de vous le présenter, justement. Alors, on vous dit... Alors, attendez, hop, pour cette semaine. Tes doutes, peurs ne sont pas fondés. On vous dit adieu la routine. Donc là, il va être temps de bouger. Hein. Qu'il va falloir vous mettre en action pour changer les choses et que ça va justement pulser là. Hein. Surprise à la nouvelle lune. Vous voyez ? Déménagement, changement de ville, je pense qu'il va y avoir des choses qui vont bouger pour beaucoup d'entre vous. Alors, ça va parler de nouveau départ, mais justement, hein, si ça bloque, vous devez comprendre aussi pourquoi.
Alors, hop, une carte qui claque. Codépendance et dépendance affecte de votre vie amoureuse. Alors, ça peut parler de dépendance affective, de dépendance à d'autres choses, de dépendance. Oui, peut-être qu'on a tellement envie d'amour qu'on se lance dans n'importe quoi, on va dans tous les sens. Donc là, on vous dit de vous recentrer sur vous pour vous réharmoniser. Justement, là, il va y avoir des choses qui vont pouvoir bouger. Mais on vous dit, bon, de toute façon, vous allez réussir à faire ce travail. Alors, hop, j'ai pas regardé le dos de deck, mais quelque part, tant pis, comme ça. Laissez partir votre ex, le temps est venu de purifier votre énergie. Donc là, on vous dit de laisser l'histoire, voilà, d'admettre que peut-être vous avez perdu quelqu'un de manière injuste, que voilà, c'est comme ça la vie, il faut accepter. Et être dans l'acceptation, vous voyez que vous n'êtes pas dans la résistance, justement, vous êtes dans quelque chose de beaucoup plus sain pour vous, qui va vous permettre de réélever vos énergies et donc d'avoir de plus fortes vibrations et donc d'avoir l'amour véritable. Donc là, c'est peut-être, voilà, il faut purifier une histoire, ce qui s'est passé, d'accord? En acceptant ce qui s'est passé, ça vous permet de purifier beaucoup plus, sinon vous êtes encore dans une énergie de rancœur. On vous dit amour non réciproque, il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Donc pour l'instant, dans l'état actuel, il y a encore des nettoyages à faire parce que ça ne donnera rien de manière réciproque, de la manière dont vous méritez. Et on vous dit, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée d'entre toutes. Donc voyez, bouclier, et derrière, on vous dit, oui, c'est bien votre âme sœur, mais il y a eu une séparation. Donc ici, pour l'histoire, tant que vous n'avez pas fait ce nettoyage, l'univers vous dit, bah écoute, non. tant que t'as pas fait ton boulot, comment veux-tu qu'on te paye, en fait? Voilà, c'est un peu ça, l'idée. Alors, on va aller prendre ici, hop, un dernier message conseil. Hop, 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 je crois qu'il est tombé. Enfin, qu'il s'est retourné. Demandez à vos anges. Là, je vous le confirme, on vous dit non pour l'instant. Il y a encore du nettoyage à faire. Sinon, ça ne va rien donner. N'attendez pas un résultat sans avoir bougé les choses. Donc, le non, il est bien tombé. Et puis là, on a quoi? Le moment idéal. Donc, non, ce n'est pas le moment idéal aussi. C'est ce qu'on vous dit. Demandez l'aide des autres. Demandez à vos anges, demandez à vos amis de vous aider. Ça peut être tout simplement, pour l'instant, ça bloque. Donc, je vais me concentrer sur, on va dire, bah, tout ce que je peux maîtriser, c'est-à-dire bah, sortir avec mes amis, profiter. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. On va aller prendre un message de la Good Karma Box. Alors, lorsque l'on vous a fait du mal, ne cherchez pas la vengeance. La roue du karma tourne et s'arrête au bon moment sur celui qui a fauté. Gardez votre énergie pour la mise en place de vos projets. C'est cela qui vous fera grandir et évoluer. Vous voyez, le message est là. Peut-être qu'il y avait quelque chose à comprendre. Au lieu de vous concentrer sur ce qu'a fait l'autre ou n'a pas fait l'autre, justement, on vous dit, bossez sur vous. Ça va vous permettre de réaligner vos énergies. Et justement, c'est là que le déblocage se fait. Allez, un petit message, c'est un nouvel oracle. Ça s'appelle l'oracle au quotidien. Je vous le conseille, hein, moins de 10 euros. Et ça donne vraiment des messages très pragmatiques. Période d'investissement favorable. Voici une bonne période pour investir tant votre temps que votre argent. Donc là, on vous dit que l'investissement que vous allez mettre dans ce travail va payer. D'accord? Que c'est le moment justement idéal pour travailler sur tout ce qui a débloqué, tout ce qui a parfait, tout ce qui a nettoyé, des petits ajustements, des petits réglages. Et que on vous dit, si vous l'avez déjà fait dans les derniers mois, préparez-vous à récolter des intérêts. La solution à votre problème doit passer par un engagement de votre part. D'accord? Des gens d'affaires vous font une proposition intéressante, il s'agit d'un beau projet à long terme. Moi, je le transpose à ce qu'on vient de dire, hein, tout simplement. C'est-à-dire que là, le fruit de vos efforts va payer, mais qu'il y a encore des ajustements à faire. Surveillez les synchronicités. Derrière les coïncidences ou ce que vous appelez le hasard se cache la plus belle des synchronicités. C'est, je crois que c'est Einstein qui disait, les coïncidences, c'est une manière pour Dieu de rester invisible, de rester anonyme. Voilà. Mais là, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. Vous pensez à quelque chose en particulier, la vie vous l'offre sur un plateau d'argent. Voyez ces événements comme des moments de grâce. Tout est parfait, tout est à sa place. Ouvrez-vous à la vie et aux cadeaux qu'elle vous présente. Donc là, on vous parle bien d'une opportunité d'effectuer. Je parlais de dernière pièce du puzzle. Vous voyez comment les choses s'emboîtent.
Votre ange gardien tente de communiquer avec vous, trouvez un moyen de le comprendre. Alors, je vous donne un conseil. Moi, j'ai fait ça la dernière fois. C'est vrai que j'y ai pensé. Je me suis dit, tiens, genre, ah oui, bah, c'était mon signe. Essayez de penser à un fruit ou un mot-clé. Voilà. Bon, je ne veux pas vous dire quel est le mien. En plus, c'est bidon. C'est un fruit, en fait. Et quand j'ai ce fruit qui vient en tête, je me dis, là, tiens, j'étais en train de penser à un truc. Et puis, hop, j'ai faim de ça. C'est mon ange qui est en train de me répondre. Voilà, et en fait, ça m'a permis de réajuster mes énergies, mais très vite, en me disant, là, je dois me réaligner. Voilà, j'étais en train de penser à ça, j'ai la confirmation, hop, et je vais dans la même direction. Je continue en fait mon travail. Donc, vous voyez, il y a des choses qui se mettent en place. On va finir avec un dernier message. Écoutez-vous, hein, c'est très important. Hop, passion. Tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment, profites-en. Il y avait deux cartes qui ne se sont pas retournées. Dernier message, s'il vous plaît. Amitié. Nouez les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation, de vous-même aussi, et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Soyez votre meilleur ami, c'est ce qu'on vous dit. Voilà pour la semaine. Voilà, espièglerie, hein, vous voyez. Donc on se laisse avec ces messages. Je pense que la guidance est très claire. On va dans la même direction. Donc pour l'instant, on n'en saura pas plus. Hein, la suite au prochain épisode. Je vous aime, je vous embrasse. Prenez bien soin de vous. Faites attention dehors. Protégez-vous. Voilà. Et puis bossez sur vous. Vous verrez des résultats que j'espère assez rapides. Mais ne focalisez pas sur le temps. Focalisez surtout sur ce que vous allez en récolter comme expérience. Déjà, rien que pour vous. Voilà mes très chers. C'est tout pour moi pour cette semaine. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao! J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu pour encourager mon travail. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram et Facebook pour encore plus de contenu. Sinon, rendez-vous sur mon site web mangofaitdutarot.com afin de pouvoir réserver ta guidance si le cœur t'en dit. Allez, à bientôt, bye bye!